La vidéo a été interrompue parce que trop longue. Donc la caméra s'est stoppée. Le smartphone était trop chargé. Voilà, donc ça s'est coupé juste au moment où je disais que du fait de... En plus de s'être élargi en volume, eh bien, Godess Arc 3 est revenu à 360 mètres comme initialement. Voilà. À la longueur de 360 mètres. Donc, du coup, eh bien, ça fait passer. Ça démultiplie son poids, sa masse, hein, son déplacement, comme on dit, pour un navire, à 108 000 tonnes de poids total à charge, de déplacement à charge, comme on dit. Voilà. De façon générale, comme on dit pour les véhicules, hein, véhicules terrestres, eh bien, on dit poids total à charge. Voilà, charge utile. Voilà. Dans le maritime, on dit port en lourd. Mais c'est la même chose. Bon. Voilà, donc son poids total à charge. Hein, son déplacement à charge, donc, est de 108 000 tonnes. C'est-à-dire 12 000 fois le poids, hein, le déplacement à pleine charge, donc de Godess Arc On que voici. Voilà. Petit voilier océanique de 10 mètres qui pèsera donc à son maximum 9 tonnes. Voilà. Godess Arc On et Godess Arc 3. Qui lui déplacera 12 000 fois plus. Voilà. Avec ses 108 000 tonnes. Alors, je me suis rendu compte en vous expliquant. En t'expliquant que j'ai mal cadré donc ce que je voulais te montrer. Voilà, mal cadré ce que j'ai expliqué. Mais bon, c'est particulier, hein. Je voulais évoquer ça lors de la pause. De la pause de entre séries. Hein. Voilà, puisque là, c'est. On est ici donc dans les vidéos, dans le cadre de l'entraînement de prépa donc à la SUP GORAC, prépa sportive, et donc là, ici dans le cadre des vidéos, donc des 1 million de mouvements workout, et plus précisément 100 000. 100 000 shrugs. Voilà. Voilà, donc je me suis rendu compte que j'ai mal cadré. Et puis surtout, j'ai explosé le temps. Voilà. Quasiment tout le temps de la vidéo. Et finalement, s'est écoulé à évoquer ce sujet-là, plutôt que les mouvements de workout. Voilà. À chaque fois que je parle au moment des pauses, le temps passe tellement vite que bon, et puis là je me suis complètement laissé dépasser. Voilà, donc c'est bon, bah, je crois que c'est la première et dernière fois que je ferai ce genre de démonstration. Donc
lors des vidéos objectif 100 000. Objectif 1 million de moves. Workout est 100 000. Il en sera de même aussi, je pense, pour les objectifs de 40 800 km. Voilà, donc en statique et dynamique. Voilà, il faudra que je veille à faire ce genre de démonstration parce que, bon, voilà, ça déborde complètement. Voilà. Bon, enfin, je voudrais quand même finir. Voilà ce que je disais. Eh bien, que il s'agit de 100 000 tonnes. Voilà. Alors, non pas 100 000 tonnes de diplomatie, comme on dit, quand on parle des plus grands porte-avions existants. Mais là, 100 000 tonnes, 100 000 tonnes de sport. Voilà. 100 000 tonnes de sport. Voilà. Puisque ces navires, entre autres de croisière, mais aussi navires. Donc, océanographique, de recherche scientifique, navire de soutien, navire de charge, de transport, navire de soutien. Donc, à là, ce pourquoi il est fait avant tout, donc à la subgorak. Voilà. Voilà, donc la plus longue épreuve sportive au monde. Voilà, la Subgorak. Voilà, donc, eh bien, oui, eh bien, donc là, c'est 100 000 tonnes de sport. Voilà, pour assurer donc cette immense épreuve sportive planétaire. Voilà. Qui servira donc de navire base, hein, puisqu'il faudra bien accueillir les. Il faudra bien que puisse se restaurer, se reposer. Donc les conquérants, les aventuriers conquérants pèlerins, dont je ferai partie, conquérants, concurrents, voilà. Ces athlètes-là, lors de cette course pèlerinage, auront évidemment nécessité, en plein océan, durant surtout une si longue période de 1200 jours, ou plus de 3 ans, que durera ce parcours, eh bien, non-stop, eh bien, nécessité évidemment d'être, de pouvoir être logé, nourri, blanchi, logé. Voilà. Pour pouvoir en venir à bout de cette épreuve. Voilà. Et bien sûr, tout le monde en plus de ces athlètes qui sera nécessaire à bord. Évidemment. Hein, les équipes de soutien, l'équipage, les passagers aussi, les accompagnants des passagers. Voilà. Donc, voilà, donc 100 000 tonnes de sport. Voilà. Puisqu'il s'agira avant tout d'une aventure sportive. Planétaire. Voilà. Et donc, eh bien,
Bah, du coup, le nombre de personnes à bord de Gode-Sark 3, que l'on voit ici, sera le nombre de capacités maximum de lits. Eh bien, l'hébergement sera de 2 400 personnes. Voilà. Et ici, mettons un navire divisible en 8 unités distinctes. Eh bien, ici, c'est Gode-Sark 3A. Voilà. Puisque là, ça représente cette partie-là. Voilà. Ici, voilà, comme ça. Donc là, Gode-Sark 3A, Gode-Sark 3B, C, D, et ainsi de suite. Voilà. Jusqu'à G, voilà. H même. Gode-Sark AA 3AA, Gode-Sark 3H. Voilà. Et ici, donc, puisque là, du coup, ben, cette maquette qui initialement était au 1 centième, eh bien, passe au 1 4 centième. Voilà. Donc, là, on voit le 10 mètres. Voilà. Là, je cadre mieux que tout à l'heure. Voilà, le 10 mètres actuellement en construction. Hein, Gode-Sark 1. Voilà. Ici, donc là, taille réelle, là, au 1, 4 centièmes. Voilà. À côté de Gode-Sark 3A. Aussi au 1, 4 centièmes. Donc, vous voyez, donc à 10 mètres à côté 180 mètres. Voilà. Donc à ce moment-là, eh bien, Gode-Sark 3, Gode-Sark 1 ici, fera partie des multiples annexes embarquées à bord de Gode-Sark 3. Ici, Gode-Sark 3A. Voilà. Donc là, ça sera bien 100 000 tonnes de sport, on pourrait aussi dire. 100 000 tonnes. Acier comme les porte-avions dont je faisais allusion tout à l'heure au début de cette vidéo, mais ce sera 100 000 tonnes, oui, d'acier, d'aluminium et de composite thermoplastique. En termes de matériaux de construction, voilà. Comme ça sera aussi, ben, 100 000 tonnes, donc de sport. Et d'aventure. Autour du monde. Voilà. Voilà, donc cent mille tonnes pour assurer, donc, la grande aventure planétaire autour du monde, nos limites,
la subgorak. Grande aventure, épreuve sportive. Qui commence en ce 21e siècle. À plus, c'était Tolric.